Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et rebaillent et qui rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de Cent Ans. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Mais enfin vers midi, le cours est terminé. 2 heures de cours, ça creuse et ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon. Où y a pas de jambon. Des étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à lundi où je serai au studio, sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Assis tout près de moi, il y a des gens de psycho, des petits gars boutonneux qui parlent de leur âme. Et avec de grands gestes, chacun fait son solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de lettres. Petit costard cintré, grande fente dans le dos, qui vous dit volontiers, avec fierté peut-être, mais je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être.